m'appelle Dorian Alain, j'ai 32 ans, je suis originaire de métropole, mais j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie. Alors sur l'Isane, je suis capitaine du navire Isane. Donc le principal rôle du capitaine à bord du navire, c'est le chef de l'expédition maritime. Donc il est là pour s'assurer que l'expédition maritime est menée à son terme en respectant donc la réglementation et avec tout son personnel en sécurité et le navire en sécurité qui rentre à bon port. On va faire notre checklist parce que dans le rôle, en fait, il faut que tu viennes à chaque fois te présenter à la passerelle avec le capitaine quand il y aura un départ de feu ou un abandon à faire. Quelle que soit l'alarme entendue ou le problème qui peut se passer à bord, le passager doit se rendre en passerelle et reste avec le capitaine en toutes circonstances. En toutes circonstances, ouais. C'est bon, on a fait la passerelle. On va descendre au pont 2. Allez. Ici, nous sommes au pont 2. Il y a toutes les cabines des officiers, dont le second chef, c'est à droite. Capitaine, ici. Cabine du lieutenant, dont moi. Sanitaire, douche toilette pour les officiers, cabine du chef et cabine du second capitaine. Ici, armoire incendie, tenue pompier lourd pour les attaques de feu, gilet de sauvetage pour évacuer. Voilà. Je me présente, Patrice Cateux, je suis d'origine de l'île des Pins. Je travaille sur les navires marchands comme lieutenant et j'ai 34 ans. Je fais tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire le contrôle de tout, je vérifie tout ce qu'on a à bord comme sécurité. On a les gilets, on a tous les moyens d'évacuation, les radeaux, le canot de secours. C'est des trucs qu'on fait le check tous les mois, que le navire soit bien prêt pour chaque semaine. Pont principal. Tu as vu, on a un moyen d'appel encore qui est dans chaque pont. Ici, tout ce qui est là, c'est pharmacie, avec une civière ici dedans. Les médicaments. Et ici, on a encore la buanderie qui est derrière, avec un sèche-linge et un lave-linge. Et toilette-douche aussi en plus. T'as le cœur à viande. Scalope panée, des spaghettis et puis une sauce tomate napolitaine. Tranquille, simple. Vaut mieux faire simple. C'est compliqué là. Je cuisine à bord comme si je cuisinais à terre, tu vois. Comme si je cuisinais à la maison, comme si je cuisinais au restaurant. Je fais des plats, les plats que je fais sont soit typiques casanières, comme à la maison. Voilà, des fois les mecs ils ont envie de manger un bon bougna, des fois ils ont envie de manger des nems, des fois ils ont envie de manger des samoussas. Ben, des fois je fais les mêmes plats qu'à la maison, du riz, poulet au soyo et tout. Et des fois je fais des trucs typiques restaurant, sashimi, tartare et tout, blanquette de veau. Tout ce qu'on pourrait mettre dans la gastronomie française. Là, on vient de terminer de baigner. Et puis là, on va aller prendre notre petit repas en bas avec le chef Christo. Bon, allez, on y va. Bon, allez, kai kai. Dans un restaurant hôtelier, si t'es serveur, occupe-toi bien de la clientèle. Faut que, voilà, tu vois, faut être droit, tu vois. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela, tu vois. T'as des trucs à respecter, un peu comme à l'armée, tu vois.
Mais là, comme c'est un peu familial, c'est convivial, tu vois. Tu fais la cuisine comme si c'était pour tes membres de ta famille. Mais il y a aussi une part de respect aussi, tu vois. C'est aussi mon travail, tu vois. Cuisiner dans un bateau, c'est... Moi, j'aime bien. C'est une belle expérience, franchement. On part en mer, on revient des semaines plus tard, quelques mois plus tard. C'est un peu dur, peut-être la distance et tout. Mais si vous avez un esprit d'aventure, puis vous aimez partir, voyager et tout, c'est rien après la distance. Il y a tout, c'est presque rien, quoi. Ça vous forme, comme on dit, les voyages, ça forme la jeunesse. En dehors du lagon. Là, je viens de commencer le cap. Et ça va être 5 heures de corps jusqu'à Marée. Après, ça va tourner. Après Jean-Paul, c'est le bateau 2, puis le bateau 1, après qui suit. Là, il est 22h, je vais faire les points. On va prendre les positions, GPS, latitude, avec la longitude. 24, minuit, 1h, 2h. Et après, comme on avait dit, 2h, on était là pour 2h40. C'est vérifié. L'homme mort, qui sonne tous les 12 minutes. Et si on n'acquitte pas, ben, ça fait réveiller le capitaine en bas. Et si le capitaine ne se réveille pas, ça passe en alarme générale. Ça sonne dans tout le bateau et ça réveille tout le monde. Comme il y a le cadavre qui est échoué là sur le récif du rang, du coup il y a toujours des débris qui sont enterrés, comme des conteneurs, ça, et ça c'est bon. De nuit on voit pas, mais bon, on reste toujours vigilant, quoi. Après à ralentir et à revenir au capitaine au cas s'il y a des soucis. Éteindre les lumières à l'intérieur. Allez, c'est parti. Je vais me réveiller. JP. Jean-Pierre. Christo. Ouais. Café, s'il te plaît. Là, je suis en train de préparer le petit déjeuner pour la bonne, là, le meilleur matelot. Petite omelette, des croissants, du pain, du beurre, un peu comme à l'hôtel. Et voilà. Les garçons, tiens, j'arrive. JP, j'arrive. Café. Vous voyez, franchement. Ah oui. À 1 minute on arrive, on part tous à la manœuvre. Et moi après je vais m'en passer à préparer l'escale. Allez, finis la cuisine. Bouge, je suis préparé. Si on est bien positionné par rapport au quai et si la rampe est correctement posée sur, sur le plan incliné. Mon rôle, une fois arrivé dans les îles, donc, en tant que capitaine, c'est un rôle représentatif de la compagnie, donc relationnel avec les clients, rencontrer les clients, voir si toutes leurs attentes sont,
seront atteintes pendant l'escale et éventuellement porter assistance au second capitaine s'il en a besoin pendant son escale, parce que c'est lui qui gère le déchargement, le chargement avec l'équipe pont. Et donc s'il a un souci, qu'il a besoin d'aide, dans ce cas-là, je suis là, je suis présent, quoi. Alors on décharge tous les frigos. Là-bas, on met les lifous qu'on va pas vider ici. Et là, on met les marais qu'on enverra vers 7h du matin, quand il y aura les clients. En attendant, on les rebranche pour pas qu'ils chauffent. Lui. C'est bon, maman? C'est bon. Ok. C'était un rêve de travailler sur les bateaux. C'est quand j'étais gosse, on est en train de baigner sur les quais à Santo. Et on a vu les vieux débarquer avec. Avant, il y avait un bateau, il s'appelle Polynésie. Peut-être les anciens connaissent ce bateau dans les années 70. Et avec un petit neveu à moi, on a vu le bateau. Et dans, on s'est parlé, on a dit, et ça serait bien, on fait comme les autres lieux, aller travailler sur les bateaux. Et c'était comme ça, c'est parti. Je m'appelle Monsieur Baye Willy Miki. Je suis d'origine vanoité. D'abord, dans le travail à nous, on se considère comme une famille. Nous, les mécanos, quand les autres types, ils ont besoin de nous, ben nous, on va vers eux, oui, s'ils ont vraiment... Par exemple, s'il y a un élévateur qui est en panne, s'ils ont besoin de nous, nous, on est là. Ou si jamais nous, on a besoin d'eux, ben eux, ils sont là pour nous aider aussi. Et on travaille en équipe, quoi. On est soudés. Je suis second mécanicien. J'ai commencé tout à fait bas comme graisseur. Tout au début, dans les années 70, quand j'étais sur le Konimu, là, j'étais un graisseur. Et j'ai commencé à monter petit à petit. Maintenant, je suis toujours second mécanicien à bord de Izan. Le Izan, c'est comme une deuxième maison. À moi, quoi. Tu vois, des fois on part et on habite dedans et en même temps on travaille. C'est une deuxième maison que je travaille dessus, quoi. Voilà. Hey, maintenant, autour de l'Ifou maintenant. Et puis Marie. Oui, Izan, de nouvelles trafics, je reçois par équipe. Oui, bonjour, donc Izan appareillé de Marais à destination de Lifou avec 12 personnes à bord, ETA 16h30, on a 2 tonnes de classe 2 et 30 tonnes de classe 3. C'est un petit peu et t'as clairement l'éclairage là qui à un moment est pas bon. Je vais voir si c'est pas là. Essayez de voir, ouais, du coup si tu veux je peux monter en passerelle là quand je remonte, ouais. Et comme ça je te fais triper les uns après les autres. Je m'appelle Charles Dutertre, j'ai 34 ans et je suis chef mécanicien à bord de l'Izan. Alors le rôle du chef mécanicien, c'est tout simplement de gérer son équipe, tout d'abord. Je leur distribue les tâches. Et ces tâches, en fait, elles ne sont pas prises au hasard. C'est moi qui, en fonction du planning de maintenance en machine, vais m'assurer que ces tâches-là soient réalisées. Grosso modo, la tâche du chef mécanicien, c'est d'être responsable de la machine, de s'assurer que tout soit en bon état de fonctionnement et de s'assurer aussi que son équipe soit... en forme, toujours apte à assurer le quart, et qu'elle ait toujours du travail et qu'elle continue aussi d'évoluer
dans son travail parce que la finalité à bord d'un bateau, quand on travaille au service machine, c'est de terminer chef mécanicien. En fait, on a un rôle de transmission aussi. Donc on les prend sous notre aile et puis on leur apprend tout ce qu'on peut. Quoi. Alors le fait de ne pas sortir à terre ou de ne pas voir la lumière du jour quand on travaille en machine, c'est quelque chose qui est récurrent, enfin qui est propre à tous les mécaniciens. C'est une étape, on va dire, à passer. C'est au début, la passion du métier fait que quand on est jeune, on débute, on est plein d'enthousiasme. C'est quelque chose qu'on ne ressent pas forcément parce que c'est tout nouveau. Il y a plein de trucs à découvrir. En général, quand on fait ce métier, on le fait souvent par passion, on ne le fait pas par dépit. Parce que si on le fait par dépit, là, on est sûr de ne pas rester longtemps à bord. Des légumes, là, je vais faire sauter avec du riz et des côtelettes de veau. 12 côtelettes de veau en tout. C'est tranquille, c'est pas grave. Dormir, boulot, manger, boulot. Dormir, faire le ménage. Comme si on était à la messe, quoi, on retravaille, quoi. Des fois, je délire dans ma cuisine, je prends un balai, je chante et tout, tu vois, et je fais mon petit concerto et tout. Après, je repose, allez. Fini la minute de faux délire, allez, je rebouge dans la carré. Allez, il manque ceci, il manque cela, il manque cela. Ouais, Alex, t'aurais pu éplucher les crevettes pour qu'on mange et tout. Ah, oh, c'est bon, les crevettes, c'est bon, c'est... C'est toujours plus agréable à manger quand tu décortiques toi-même. Je peux les faire, tu vois. J'aime bien emmerder aussi, tu vois. Ça fait un peu partie de mon truc, c'est emmerder, titiller et tout ça. C'est pas... Sinon, c'est un peu mort et rigide si c'est trop sérieux, tu vois. C'est un peu le rôle aussi d'amuser un peu, tu vois. Faire titiller un peu la bande et tout pour... Bah, c'est un peu convivial, tu vois. Alex, t'as pris quoi? Saucisse. Oh, avec quoi? Saucisse. Alex, c'est lui qui va apporter un peu de... un aspect famille, en fait, au bateau. C'est, on se retrouve tous à table, on dit alors, comment ça va? Surtout, en fait, entre la machine, le pont, on se retrouve pas forcément ensemble, on a des tâches différentes. Et la table, c'est vraiment le lieu où tout le monde se rassemble, où on raconte nos blagues, où... Par exemple, il y avait la Coupe du Monde, tout le monde parlait du match, quelqu'un a pu le voir, quelqu'un a écouté les résultats à la radio. Donc voilà, c'est en ça qu'il est important à bord. Et quand il fait bien à manger, on est content. Quand il ne fait pas à manger, là par contre, on n'est pas content et il le sait. Là, on se met en stand-by devant le port de Hué. Il y a un navire, le Scorpio, qui est devant nous et qui n'a pas fini ses opérations commerciales. En attendant qu'il est terminé, puis on prend la place qui est derrière lui. Ils ont prévu un départ pour 18h. Et nous, pour nous, c'est pas bien parce qu'on peut pas livrer nos frigos, tout ça. Et ça nous fait rester à quai toute la nuit jusqu'à demain. Du coup, voilà. Bon, après, voilà, ça nous fait toujours rentrer jeudi, mais jeudi de l'après-midi. Ouais. Quand on est marin, ouais, ça c'est quelque chose qu'on sait déjà, hein, quand on est embarqué sur un bateau, oui, c'est le point négatif du marin, c'est voilà, et puis la vie de famille. On n'est pas là tous les soirs, c'est difficile pour nos compagnes, quoi, et du coup, c'est vrai que c'est choisi. Hein. La vie de famille, c'est assez difficile. Hein. Après, voilà, moi je m'habitue, ma compagne aussi, elle s'est engagée avec moi, du coup, voilà. Peut déverrouiller la robe. Avant, Pascal, peut déverrouiller la robe. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice que, ben, qu'on accepte, puisqu'on fait ce métier. Mais oui, oui, ça peut être difficile, parfois même très difficile, et c'est pour ça que beaucoup de personnes arrêtent de naviguer, c'est qu'ils supportent plus d'être isolés. Maintenant, nous, on a un rythme de cabotage relativement court, on navigue sur 3-4 jours, donc on est quand même là suffisamment souvent pour entretenir une vie familiale correcte, comparée à du long cours. Ok, c'est bon qu'on est partout.
reste. On a déchargé le bateau, on décharge le fret. Et demain matin, on fera les frigos. À Lifou, c'est la seule escale où on peut tout mettre sur le quai. Donc en général, on vide tout le bateau et on reprépare pour qu'à Ouvéa, ça aille plus vite, puisqu'à Ouvéa, on a moins de place. Avec le temps, étant donné qu'on navigue toutes les semaines dans les îles Loyauté, on commence à connaître les personnes. Donc ce sont des relations, bien évidemment, d'une clientèle. Mais c'est une clientèle qui est fidèle, qui revient. On rencontre à nouveau les mêmes personnes. Donc on finit par tisser des liens avec le temps. Et ces liens peuvent parfois aller beaucoup plus loin et puis créer de l'amitié. Joue un rôle important hein, pour les îles. On fournit tous les produits nécessaires, que ce soit médical aussi. Hein. Pour prendre un exemple, si les météos ils sont pendant les périodes cycloniques où on ne peut plus naviguer pendant 2 semaines, ben, les gens sont perdus. Hein. Ils peuvent être en pénurie de carburant et là c'est difficile quoi, hein, pour les gens des îles. C'est quand on s'entend bien tous, bah c'est galvanisant en fait. On a envie de se donner plus au niveau du travail, on a envie de s'impliquer plus et le fait de bien s'entendre, c'est une richesse. J'ai tellement d'amis qui, parfois, ils arrivent à 5 heures, ils sont au bout du rouleau, ils disent « Oh, c'était une journée horrible, le travail ». C'est nous aussi, hein, on est très contents de rentrer à la maison, mais très souvent, c'est pas parce que le travail est horrible. Ça arrive parfois, hein. Je serais menteur de dire que c'est un monde parfait que de travailler sur un bateau. Mais heureusement, on a un peu cette richesse d'être soudés ensemble. C'est quand il y en a un qui va pas bien ou qui a un coup de mou, bah, tout de suite, c'est bon, bah, allez, viens, qu'est-ce qu'il y a? Et on en discute. Là, on aperçoit le quai d'Ouvéa à l'horizon. Sur Izan, on est de différentes ethnies. Et c'est le point positif qu'il y a en bas. Dont moi qui est de l'île des Pins et le Bosco, voilà, c'est l'île de Canala. Et oui, ce mélange-là entre le personnel navigant, c'est quelque chose de bien. C'est l'image de la Calédonie, voilà, le mélange, tout ça. Même les officiers métropolitains, quoi. On est un équipage soudé et ça, c'est plus important à bord d'un bateau. Quoi. Sur le bateau, si on peut parler de vivre ensemble, c'est nous déjà à bord, on vit ensemble. On vit ensemble. Moi, je viens de Vanuatu, les frères qui viennent de la Grande Terre et les frères qui viennent des îles, de Lifou, des Marais. Même les métropolitains qui travaillent avec nous. Nous, on vit déjà à bord, c'est comme un destin commun, nous. On vit ensemble à bord. C'est pour construire le pays aussi. C'est comme, on dit, une famille, c'est comme à la maison. Bon, des fois, bon, on se chamaille entre nous. Après, c'est bon, c'est réglé. On continue à travailler ensemble, quoi. Voilà.